Bonjour et bienvenue sur Best of Robots pour le test complet du robot La Vitre AmiBot classe X-Line AGX50. AmiBot AGX50 est un robot laveur multisurface autonome destiné au nettoyage des surfaces planes, verticales, horizontales ou inclinées. Il s'installe simplement et reste accroché par succion avec sa puissante ventilation d'accroche. Il nettoie par frottement à l'aide de ses deux disques motorisés qui glissent énergiquement sur la surface. Le carton contient un robot lave-vitre, un boîtier d'alimentation, un adaptateur secteur ainsi que sa rallonge de 4 mètres si besoin, un cordon de sécurité, 4 supports pour mop microfibre, 14 mop microfibre, ainsi qu'une télécommande avec ses piles incluses. Nous allons tester l'installation pour voir si la mise en place du robot est simple et accessible à tous. Nous allons commencer par préparer le robot avant de l'installer sur la porte vitrée. Afin d'assembler le robot, connecter le raccord secteur au transformateur ainsi que la rallonge si besoin. Clipsez les deux supports de mop au robot et placez-y les deux mop en les étirant légèrement. Faites attention à les placer sans bloquer le système rotatif. Vérifiez sur la tranche du robot si la mop ne couvre pas le système motorisé. Installez maintenant le câble de sécurité en faisant un nœud et raccordez ensuite le câble secteur au robot. Il faut visser le branchement pour assurer la connexion électrique. Le robot est quasiment prêt. Il dispose d'une batterie de secours qu'il faut charger environ 2 heures. Une fois chargé, son voyant passera au vert. Maintenant que le robot est assemblé et chargé, nous allons l'installer sur une porte vitrée. Commencez par installer le mousqueton en haut de la paroi que vous souhaitez nettoyer. Assurez-vous que son ancrage est solide et que la corde est tendue afin que le robot ne touche pas le sol. Placez maintenant l'appareil contre la surface et appuyez 3 secondes sur le bouton principal. Il démarre et est maintenant collé à la paroi grâce à la succion puissante. Ok, maintenant que le robot est prêt, voyons sa capacité à travailler. Testons maintenant l'efficacité du robot sur une vitre très sale pour voir ses performances. Évitez de mouiller la vitre avec du détergent car le robot pourrait glisser. Appliquez simplement un spray sur chacune des mops avant de le coller à la vitre. Une fois le robot sur la vitre, nous allons lancer le mode automatique en pressant le bouton principal de l'appareil. On peut observer qu'il se déplace de manière automatique vers le haut, puis quadrille du bord droit au bord gauche tout en descendant. Ses déplacements sont méthodiques et il n'oublie aucune zone de la vitre. Nous allons finaliser le cycle de nettoyage en utilisant la télécommande afin de vous montrer les différentes trajectoires. La télécommande propose 3 modes automatiques, à l'aide des touches ZN, Z et N. En appuyant sur la touche ZN, le robot monte puis quadrille du bord gauche au bord droit. Et en appuyant sur la touche Z, le robot se rend sur la paroi de gauche pour démarrer son cycle automatique. Et pour finir les modes automatiques, la touche N. Le robot débute son cycle automatique en commençant par la paroi de droite. Ok, nous allons maintenant tester les flèches directionnelles. Le robot ne fera qu'un aller simple dans la direction que vous lui avez soumise. C'est très simple. Nous allons lui demander de monter avec la touche haut, de descendre avec la touche bas, d'aller à gauche avec la touche gauche, et pour finir à droite avec la touche droite, tout simplement. Ok, nous avons fini de tester les différents déplacements du robot. On peut voir qu'il a bien nettoyé la saleté présente sur la vitre, et on le voit encore mieux en comparant avec les images prises avant le cycle. Nous allons maintenant tester la batterie de secours dont le robot est équipé. Elle sert à protéger le robot d'une chute en cas de coupure de courant. La batterie a une capacité théorique de 30 minutes. Nous allons débrancher devant la caméra le transformateur qui le raccorde au secteur. Nous débranchons. Le robot continue de fonctionner. On voit que ses LED changent de couleur, ce qui indique que le mode batterie est activé. Le robot a l'air de se mettre en mode économie d'énergie car on entend immédiatement les moteurs tourner moins vite. On voit qu'il tient parfaitement. Rebranchons-le et arrêtons le cycle. Ok, superbe démonstration du robot. Son fonctionnement est assez intuitif et il fonctionne vraiment bien. Les vitres sont parfaitement propres et la batterie de secours retient le robot comme s'il était branché au secteur. Pour finir, nous allons vous donner 3 raisons pour lesquelles nous choisirions AmiBot classe X-Line AGX50 chez nous. Ce robot est très bon suivant le test. Il a répondu à nos attentes et fait très bien son travail. Premièrement, ce serait pour sa batterie de secours, ce qui est indispensable sur ce genre de robot. Ensuite, ce serait pour les 14 mop microfibres fournis avec. Il y en a pas mal d'avance et cela apporte une meilleure autonomie au produit. Et finalement, ce serait pour sa facilité d'utilisation. Il est très intuitif à mettre en place et facilite vraiment le nettoyage de vitres, des plus petites aux plus grandes. En bref, un super robot lave-vitre très efficace qui soulage vraiment le nettoyage des vitres. Merci pour votre attention, c'était Best of Robots pour le test du robot lave-vitre AmiBot classe X-Line AGX50. A bientôt!